Mesdames et mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bienvenue pour cette dernière rencontre de ce premier tour de cette Coupe du Monde 1974. Et quelle affiche ce soir entre l'Italie et la Pologne. Ça va être, je pense, un match très engagé car malheureux vaincu. L'Argentine s'était imposée face à Haïti, on l'a vu avec Retroplay 80 par 2 buts à 0. Était en position favorable pour ce second tour. Et au pire, elle terminera deuxième. Donc ce match est très très important pour les deux équipes. Et la Pologne pourrait confirmer son statut de favori. Deux victoires sur les deux derniers matchs. Et donc on va vivre, je pense, une très très belle rencontre. Donc les deux équipes ont le même 11 de départ depuis le début de cette Coupe du Monde. Voilà, depuis les deux derniers matchs. Et c'est les Polonais qui vont ouvrir, qui vont engager. Et nous jouons bien sûr au stade Neckar Stadion de Stuttgart. C'est parti pour 90 minutes avec les Portugais. Les Polonais, pardon, excusez-moi, qui ont le ballon avec Zmuda. Allez, Zmuda, qui va trouver Zarmak. Il a remise pour Deina, mais oh, Deina qui va peut-être récupérer le ballon, non? C'est récupéré par Kasperzak, Masik. Masik le centre pour Gadocha. Les Polonais qui sont tout de suite en attaque. Les Italiens n'ont même pas le temps de se reposer, de poser le ballon. Ils obtiennent quand même peut-être la première occasion, la première attaque avec Morini. Il est face à deux défenseurs. Morini qui se retourne, le centre, c'est détourné, c'est récupéré par Simanovic. Avec Zarmak. Allez, Zarmak qui va vite, on le sait. Il est face à Benetti. Il repasse en arrière pour Masik. Zmuda pour Zarmak. Allez, Zarmak, la première frappe. Première occasion et premier arrêt de Dinosov. Et voilà donc les Polonais pour le moment. Qui, attention, avec Gadocha qui récupère un ballon, mais ça n'en profitera pas. C'est récupéré par Burnish. Ah, mais. Deina le ballon avec Zarmak. Zarmak, ouais, il est seul. Zarmak, il n'a aucune solution. Il perd le ballon. Burnish, Mazzola. Toujours Mazzola. Il va obtenir une touche. Rivera. Ah, mais il n'a aucune solution, Rivera. Contrairement aux Polonais, pour le moment, les Italiens se contentent à garder le ballon. Rivera, le centre, oh, la tête, oh, ça passe à côté, quelle occasion pour les Italiens. Et c'est Riva qui a failli ouvrir le score, il a fallu, il a fallu de peu. Il s'est peut-être jeté un petit peu trop tard sur ce ballon. Il a failli surprendre les Polonais. Zmuda qui a le ballon pour Masik. Ouais, ça va sortir en touche. Et de toute façon, pour les Italiens, hein, je reviens un petit peu sur ce qui peut se passer aujourd'hui. Même si les Italiens faisaient match nul, ce serait sûrement trop tard. Ce serait pas assez. Attention, la frappe ! Oh, Gadocha qui loupe ! Bon, elle n'est pas passée loin, celle-là. Ah, il a été un petit peu déstabilisé lors de sa frappe. C'est pour ça que le ballon est passé au-dessus. Mais voilà, comme je disais, les Italiens n'ont pas d'autre choix que de gagner cette rencontre. Et au vu des deux dernières rencontres, alors contre Haïti ça a été assez facile, mais contre l'Argentine ça a été vraiment assez catastrophique. Peu d'occasions, une Italie qui subissait. Et là elle n'a vraiment pas d'autre choix que de jouer cette rencontre, que de, allez, on va dire, redoubler d'efforts face à cette équipe polonaise qui est pour le moment redoutable. Il n'avait laissé aucune chance, pardon, aux Argentins. Et contre la Pologne, ça avait été un très bon match aussi. Attention, Deina qui va pouvoir dégager. Pour le moment, on sent les Polonais ne pas être fébriles. On les sent confiants. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Masik pour Zarmak. Zarmak toujours. Ouais, mais il est tout seul, Zarmak. Il n'y a personne pour lui proposer une solution, un centre ou une passe en avant. Il est obligé toujours de revenir en retrait. On a l'impression que Zarmak joue seul à la pointe. Attention, le centre, Gadocha qui tente de récupérer. Il n'y arrivera pas.
C'est Rivera qui va pouvoir dégager ce ballon. S'il peut, parce que Deyna le suit vraiment à la trace. Ouais, et en plus, c'est Deyna qui va récupérer cette touche. Gadocha. Allez, il perd le ballon, Gadocha. Burnish pour Capello. Benetti pour Morini. Capello. Allez, Rivera. Kinaglia qui touche un de ses premiers ballons. Benetti. C'est récupéré par Morini. Mais voilà, ça récupère vite du côté des Polonais avec maintenant Zarmak. Zarmak, ouais, la passe n'est pas assez forte, c'est dommage. Attention, 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 ne pas faire n'importe quoi du côté des Italiens. Il faut pas rentrer dans le ballon, dans le but avec avec le ballon. Zarmak, Lato, ouais, qui peut pas récupérer, ça va être dégagé. Facchetti, Mazzola, Spinozzi, ils ont pas de solution non plus les Italiens. Ils jouent en passe, c'est très très bien, mais voilà, le ballon ne va pas en avant. Capello qui va tenter de retrouver Rivera. C'est mal joué par contre de la part de Capello. Cette balle piquée. Et il va y avoir une faute là sur Zarmak. C'est Zmuda qui va tirer le coup franc. Deyna pour Lato. Lato, ouais, c'est bien joué. Lato, il passe. Lato dans la surface. Il tente la centre. La tête de Zarmak. Et l'ouverture du score pour la Pologne. Superbe but. Et voilà Zarmak qui ouvre le score de la plus belle des manières, le centre. On pense qu'il est pas sur ce ballon, Zarmak. Il se jette. Et Dinosov est battu. 1-0 pour la Pologne. Hein, qui est en route pour le second tour. Là, avec ce score-là, ça permettrait à la Pologne de terminer première. Suivi de l'Argentine. Mais là on espère tous quand même une réaction de ces Italiens. Ce serait quand même assez ahurissant de voir une équipe finaliste il y a 4 ans être sortie dès le premier tour. Burnish pour Morini. Ah, Morini il court pas là, il attend, mais c'est peut-être payant. Morini, il va peut-être s'entraîner, non, il préfère passer pour Capello. Kinaglia face à Szymanowski. Oh, Kinaglia, pourquoi il n'a pas frappé? La frappe, hein, c'est détourné. Ah, c'est trop brouillon pour le moment du côté des Italiens. On ne comprend pas pourquoi Kinaglia n'a pas cherché à frapper plutôt que de passer. Ça aurait pu marcher, mais je pense que la meilleure solution était la frappe. Attention, Gadocha, maintenant, il est face à Spinozzi, mais il perd le duel. Et ça va être dégagé. Le Gadocha qui récupère la passe pour Lato. Ah, les Polonais qui sont sereins pour le moment. Lato le centre. Il va y avoir une touche, je pense. Voilà, touche pour les Polonais. Nous sommes déjà à 36e minute de jeu. Toujours 1-0 pour les Polonais. Zarmak qui tente de remettre dans le tas. C'est récupéré encore par les Polonais. Ils ont le ballon. Avec Lato, ouais, il a tenté le centre, ça va être récupéré je pense par Deyna. Lato qui récupère le ballon. Ouais, par contre il pousse le ballon trop fort, ça va en touche. Et Spinozzi pour Rivera. Musial qui n'a pas pu récupérer le ballon, mais c'est récupéré encore. Les Italiens qui perdent vite le ballon. Morini. Ouh, attention Masic avec ce tacle. Ça n'a rien donné, heureusement. Burnish, la frappe. Oh là là, c'est mal joué. C'est mal joué, à moins que ça soit détourné encore en corner. Non, non, c'était une frappe. Là, ils n'ont vraiment aucune solution, les Italiens, pour le moment, que de faire des frappes de loin. Ça ne donne rien. Allez, Zmuda pour Masic. Il va vite, Masic. Il est face à Capello. Masic, le centre. Ouais, ça va être un corner. Ça va être un corner. Allez, on s'approche petit à petit de la mi-temps. Et pour le moment, c'est les Polonais qui sereinement mènent 1-0. Deyna pour le corner. La tête de Zarmak, ouais, c'est détourné. Kasper Zak qui reprend ce ballon. Quel but! Quel but de Kasper Zak! Cette reprise en demi-volée qui fait mouche permet à la Pologne de mener 2-0 maintenant et crucifie une nouvelle fois les Italiens. Quel but de Kasper Zak! Vraiment!
Regardez, le corner s'est détourné. Un Italien qui dégage ce ballon de la tête. Ça va tout droit sur Kasperzak qui la reprend comme elle vient. Oh, c'est magnifique. Ah, je disais que c'était une demi-volée, c'est une volée même. Quel but! Et 2 à 0 pour la Pologne. Ah, j'aurais envie de presque dire que la messe est dite, mais il y a encore la seconde période. Les Italiens peuvent peut-être se réveiller, mais au vu de cette première période, j'ai bien peur que les Italiens disent bye-bye au second tour. Mais quel but là vraiment de Kasperzak. 2 à 0, c'est complètement mérité. Et les Italiens qui sont complètement abasourdis. Alors attention, Riva qui tentait d'envoyer ce ballon en avant pour un de ses coéquipiers, mais personne. Il y aura 2 minutes d'arrêt de jeu. Zarmak. Zarmak, oh là là, il fait un festival. Zarmak, il passe deux joueurs, c'est magnifique. Zarmak, ah dommage, la dernière passe qui est pas bonne. Ah, totale maîtrise là des Polonais en cette première période. Kinaglia, Rivera. Ah, ça joue en petite passe. Mazzola. Mazzola qui a tenté une passe en profondeur, ça n'a rien donné. L'arbitre qui siffle à hors-jeu. Ouais, Riva qui était hors-jeu. Et l'arbitre, voilà, qui siffle cette mi-temps. 2 à 0 pour la Pologne qui, pour le moment, est qualifiée pour le second tour. Je dis pour le moment, il reste la seconde période, mais on ne voit pas comment les Italiens peuvent renverser la situation au vu de ce qu'ils nous ont montré en cette première période. Je vous laisse avec les meilleurs moments de cette rencontre. On se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, de retour sur le terrain, 2 à 0 pour la Pologne qui est pour le moment première de ce groupe, suivi de l'Argentine, et on attend beaucoup hein, de cette équipe italienne qui a été vraiment, je ne veux pas dire inexistante, mais il y a eu beaucoup trop de déchets en première période dans l'intention, dans les passes, même dans les frappes. Voilà, on attend beaucoup mieux de cette équipe italienne, mais ça va être compliqué car la Pologne a vraiment bien entrepris cette première période et a marqué deux, ma foi, jolis buts, surtout celui de Kasperzak. Allez, c'est reparti, les Polonais qui ont la possession du ballon avec Kasperzak. Ouais, Lato qui récupère pour Gorgon. Musial. Ouais, Musial qui passe. Ouais, personne à la récupération malheureusement, mais c'est Kasperzak qui remet dans le tas. Massic, la frappe, oh, c'est complètement loupé. Mais encore une fois, les Italiens qui subissent. Ils ont pris vraiment un coup de massue avec ce second but. Gadocha pour Zarmak. Nouvelle attaque. Oh, Zarmak qui passe. Mais vraiment, Zarmak est comme une anguille dans ce match. Il passe tout le monde, Gadocha. Il n'y a pas grand monde dans la surface. Les Zarmak qui remet pour Musial. Ouais, il va y avoir une touche. Il y a déjà un changement, c'est Capello qui sort. Ouais, c'est pour dire le grand malaise qu'il y a. Et Belugui, hein, donc on fait rentrer un nouveau défenseur. Et là, l'Italie qui va sortir par la petite porte. Gadocha pour Massic. Massic le centre. Ouais, Lato qui ne peut pas récupérer, il va peut-être éviter que le ballon sorte en touche. Malheureusement, il ne pourra pas. Allez, Spinozzi pour Riva. Ouais, mais. Ouais, si, ça va être récupéré tout de même. Avec Kinaglia. On attend beaucoup de Kinaglia. Il a été assez décevant. Kinaglia! Oh, il pousse encore de son ballon trop fort. Voilà, pour vous dire un petit peu, c'est ces déchets techniques qu'on voit depuis deux matchs chez les Italiens.
Je ne pense pas qu'il y ait un manque d'envie, mais voilà, il y a peut-être un manque dans la préparation. C'est assez compliqué de savoir ce qui se passe. Car contre l'Argentine, je pense que pour l'Italie, c'était, je pense, faisable. Il n'y avait pas... Attention, la belle frappe. Ouais, la belle frappe s'est détournée en corner. Et Rivera qui a tout tenté là pour au moins réduire le score. Allez, corner pour les Italiens. Peut-être une réduction du score. Ouais, ça passe au-dessus. Ah, décidément, il n'y a pas de chance ce soir. Esmouda qui récupère pour Masic. Zarmak. Ouais, il a tenté une passe là pour Gadocha, mais ça n'a rien donné, ça n'a pas été bon. On sent les vraiment les Polonais, je le répète, on les sent sereins. On les sent pas fébriles. Voilà, les Italiens se procurent des occasions, mais on les sent pas menacés pour le moment. Masic. Gadocha. Oh, la frappe de Zarmak, ça passe à côté. Dinosov n'avait même pas bougé. C'était bien tenté. Après, voilà, les Polonais avaient un groupe assez facile. Je mets beaucoup de guillemets. Ce n'est pas le groupe de la mort. Haïti, voilà, c'était vraiment un match d'entraînement pour eux. L'Argentine, ça a été vraiment le match qu'il fallait débuter de la meilleure des manières. Et c'est ce qu'ils ont fait. Allez, changement avec Jacob Sack qui rentre. Il y a un nouveau changement chez les Italiens. Allez, Zarmak. Ouais, il va centrer Zarmak. Gadocha de la tête. Ah, ça passe à côté. C'est dommage. Il a dû la prendre derrière le crâne. Et encore une fois, les défenseurs qui se sont fait surprendre. Et Musial qui tente de récupérer le ballon. Ça va être récupéré par Gadocha maintenant. Oula, il a complètement loupé son geste, mais il a quand même eu la possibilité de faire une passe. Lato pour Musial. Et là, la défense qui est vraiment avancée. Du côté des Italiens, on veut stopper l'hémorragie, mais... Voilà, on essaye quand même d'attaquer. Allez, la frappe de Jacob Sack, mais elle est trop écrasée cette frappe. Voilà, encore 20 minutes de jeu, sans compter les arrêts de jeu. Et pour le moment, la Pologne, qui est première de ce groupe, suivie de l'Italie, de l'Argentine justement. La frappe de Lato, ça passe à côté. Et Lato, regardez, je pense qu'on va voir. Il est tout seul, Lato. Personne sur lui. C'est quand même ahurissant de se laisser faire comme ça. On a l'impression que là, les Italiens sont résignés. On a vu ça aussi avec le Zaïre face au Brésil. Alors, je pense pas qu'on aille jusqu'au 9-0. Mais c'est quand même affligeant de voir cette équipe qui, il y a 4 ans, était aux portes du paradis. Vous avez quand même réussi à marquer 2 buts en finale. Attention, Gadocha, il est tout seul. La passe pour Lato. La frappe, oh, ça passe au-dessus. Une nouvelle fois, Lato tout seul. Oh, je pense qu'il aura encore pu contrôler ce ballon et frapper. Et vous aurez bien sûr dans la semaine la liste de ce second tour. Et je pense qu'on va avoir des très beaux matchs. Allez, les Italiens qui tentent le tout pour le tout. Et là, il n'y a personne sur Facchetti qui va pouvoir centrer. Ah, mais le centre est pas bon. On est obligé de revenir en arrière. Kinaglia. Et il va tenter de passer. Voilà, mais Musial, superbe, qui défend parfaitement bien. Et ce ballon va sortir en touche. Allez, nouvelle chance là pour les Italiens. Rivera. Il perd le ballon d'Aina. Oui, mais c'est récupéré par Mazzola. Allez, les Italiens qui poussent. Ils veulent marquer ce but. Et ils vont même obtenir un coup franc. Que va tirer Kinaglia. Le centre, personne à la... Ouh, le cafouillage. Une nouvelle fois, ça passe à côté de Cecconi.
Oh, qui loupe complètement le cadre. Il avait presque le but ouvert à lui tout seul, mais il passe complètement à côté. Son ballon. Oula, la mauvaise passe, attention. Et l'Italie, quelle la possibilité peut-être de marquer. La frappe, une nouvelle fois le gardien qui s'interpose, c'est pas fini. La frappe, le détournement du gardien. Ah, ils n'ont pas de chance. Quand c'est pas le gardien, c'est le poteau. Quand c'est pas le poteau, c'est le joueur qui tire mal. Vraiment, les Italiens n'y sont pas du tout. La chance n'est pas du côté des Transalpins. Et petit à petit, là, nous sommes à 9 minutes de la fin de cette rencontre. Ouh, Gadocha, ouais, mais qui n'a pas pu récupérer ce ballon car l'arbitre a signalé une faute. Bon, après, c'est un petit peu normal, là, les Polonais, ils mènent 2-0, ils se relâchent un petit peu. On voit un petit peu plus les Italiens se réveiller, mais voilà, pas de chance pour les Italiens. C'est pas leur match, ils vont sortir par la petite porte. Lato, Deina, Gadocha, ouais, pour Zarmak, Jakob Sack. Allez, il a du jus, Jakob Sack. Il a pas joué tout le match, le centre. Gadocha, l'arbitre qui signale un hors-jeu. Un hors-jeu, oui, hors-jeu. Allez, c'est récupéré par Gadocha, Zarmak. Lato, c'est le trio magique. Allez, Lato qui récupère pour Zarmak. La frappe et le troisième but pour la Pologne qui crucifie cette équipe italienne. Et Zarmak qui marque son deuxième but de cette rencontre. Ah, la défense italienne dépitée. On voit les deux joueurs dire, bah, t'aurais pu mieux le marquer, mais ça c'est le gros souci de cette équipe italienne dans ce match. Regardez encore une fois, Zarmak, il est tout seul, personne sur lui, il a le temps de contrôler, d'avancer un petit peu et de préparer sa frappe et de marquer. C'est simple le football quand c'est comme ça. Mais voilà l'Italie qui vraiment... nous sort une copie complètement bâclée. Allez, Rivera. Mazzola. Il reste une poignée de minutes maintenant. De Cecconi qui va perdre. Non, il récupère ce ballon pour Quinaglia. De Cecconi, le centre. Oh, il y a un petit cafouillage et le but. Et voilà, réduction du score, mais elle est beaucoup trop tard. Et c'est Rivera qui marque. Mais c'est beaucoup trop tard. Alors, c'est quand même bizarre parce que le défenseur polonais n'a pas pu dégager ce ballon. Il était un petit peu ceinturé, je pense. Ouais, il a même été poussé, l'arbitre qui ne siffle rien. Bon, de toute façon, ça n'a aucune incidence sur le classement. À moins que l'Italie revienne en deux minutes et soit à trois partout. Mais enfin, je ne vois pas comment. Ça fait 3-1 et la Pologne qui va terminer première de cette poule. On aurait quand même vu... on est un petit peu déçu car on attendait un petit peu plus de combativité de la part des Italiens. Et ça a été presque un match à sens unique. Attention, le joueur qui dégage en touche. Ouais, il va y avoir une dernière touche, je pense. Et le match va être terminé. On aura le classement définitif. Riva. Riva toujours. Le centre. Ouais, personne à la récupération. C'est récupéré par Facchetti. Et c'est fini. Et voilà. L'Italie qui sort de cette Coupe du Monde de 1974. Et la Pologne qui a fait vraiment un match parfait. Qui a gagné ses trois matchs. Et donc la Pologne, première avec 6 points, une différence de but de plus 6, suivie de l'Argentine, 4 points avec, une différence de but de plus 3, et l'Italie qui est 3e, et Haïti qui ferme cette marche. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée. Dans la semaine, vous avez les résultats complets de ce premier tour, et vous aurez bien sûr
la liste du second tour avec, je pense, de très très belles rencontres. Je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt sur nos antennes. Salut à tous!